Et bien salut à tous, c'est Dans l'info, j'espère que vous avez les amis. Bon, ma part, ça va nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un microphone qui est pas cher et qui fait de très bonne qualité pour les vidéos. Alors plutôt pour les voix off, c'est pas fait comme le Rode VideoMic que j'ai ici, c'est plutôt pour les voix off. Donc c'est un micro vraiment voilà qui est pas cher du tout et je vais vous le présenter tout de suite. Donc il est ici, donc c'est le Beard UM1, donc j'avais fait deux vidéos dessus. J'avais fait la vidéo où on déballait plusieurs colis, où il était avec tous les colis. Et une autre vidéo où il y avait le setup, donc voilà. Donc le Beard UM1 est un microphone statique électrique avec un diaphragme de 34 mm. On a une directivité cardioïde et une réponse de fréquence 20 Hz à 20 kHz. Avec sa technologie embarquée, ce Beard UM1 capte tous les sons qui viennent de la face et supprime les sons qui viennent de derrière, donc ici. Alors, il ne les supprime pas à 100%, il les supprime au maximum. Vous allez voir, tout à l'heure on va faire des tests, vous allez voir à peu près à comment ça diminue. Il a l'antipop intégré dedans, donc là on le voit pas comme ça, mais à la lumière du jour on le voit. Mais il est pas assez isolé, il est pas assez puissant, donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter avec le Beard UM1 un antipop chez Amazon, toujours pareil. C'est un antipop voilà, qui est pas cher du tout, il est à moins de 5€. Donc voilà, je vous le mettrai en description de vidéo si vous êtes intéressé. Il offre une qualité très professionnelle, et avant de vous dire le prix, je vais vous dire tout ce qui est vendu avec. Donc déjà on a le Beard UM1 en lui-même, on a le câble qui nous permet de brancher le Beard UM1 sur un ordinateur, donc c'est un câble. Alors je sais pas comment ça s'appelle cette connectique. Donc il y a cette connectique là qui se branche sur le micro. Et après sur le PC c'est un USB tout simplement. Et ensuite on a pour finir la petite araignée qui permet de tenir le micro sur une perche à micro. Et cette petite araignée en fait voilà, elle sert à tenir le micro et aussi elle sert à isoler le son. Vous avez vu c'est une base en fait qui bouge en fait voilà, si vous avez des vibrations. Et bien cette petite araignée va isoler les vibrations grâce à des élastiques. Tout ça pour 60€ chez Amazon, pas trop de basse, pas trop d'aigu pour ce micro. Un son qui est très clair, qui ne sature pas. Voilà, je trouve que vraiment le prix est très correct, il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant on va faire un petit test sur ce Beard UM1. Donc déjà on va faire le premier test où je vais dire salut à tous, c'est Dans l'info. Donc pour tester voilà si le son est clair tout ça. Et ensuite on va faire un test où je vais parler en fait, je vais faire A. Et en faisant A en fait je vais tourner autour du micro pour voir si on passe derrière. Le son est diminué, je connais la réponse, c'est oui. Mais c'est pour vous le montrer à vous, c'est pour vous prouver que quand même quand on passe derrière le micro, le son est diminué. Donc c'est parti, on va commencer les tests. Salut à tous, c'est Dans l'info. Et donc maintenant je vais faire A en tournant autour du micro pour, voilà, pour voir si le son est diminué. Ah... Voilà, j'ai l'air d'un con en faisant ça et tournant autour du micro. Mais voilà, c'est vraiment pour vous prouver que ce micro en fait... il réduit les sons qui viennent de derrière. Donc mes amis, j'espère que cette vidéo sur le Beard UM1 vous aura plu. C'est qu'à se dépasser un gros pouce bleu. Si vous voulez le pack que j'ai moi en fait, enfin j'ai pas tout acheté dans un carton, non j'ai acheté tout ça séparément. Mais si vous voulez le pack avec la perche Rode, le Beard UM1 plus l'antipop, je vous mettrai 3 liens dans la description de la vidéo. Il y aura l'antipop, le Beard UM1 et la perche à micro chez Amazon. Vous créez votre panier, vous achetez tout en même temps. Normalement vous recevez tout le même jour. Voilà, après c'est à vous de voir si vous voulez tout recevoir le même jour, mais je vous conseille. Voilà, comme ça après vous pouvez fixer votre Beard UM1 sur une perche à micro et l'antipop aussi. Parce que voilà, après le Beard UM1 c'est fait pour être fixé sur une perche à micro, c'est pas fait pour le tenir à la main comme ça. Parce que si vous le tenez à une main comme ça, ça va capter les sons, voilà, les frottements. Et donc vous allez avoir un son qui va pas être très très clair. Donc voilà, c'est mieux d'acheter une perche à micro avec un antipop et le Beard UM1 ensemble. Je sais plus combien ça vaut, mais je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à plus sur votre vidéo. Salut!